Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une guidance sentimentale pour la période estivale, avec une petite extension pour les mois de septembre-octobre pour voir un peu comment tout ça évolue. Alors il faut savoir que ça va rester une guidance très générale qui ne pourra bien évidemment pas parler à toutes les Vierges, puisque déjà à la base nous avons des vies différentes. Certaines Vierges sont en couple, d'autres ne le sont pas. Certaines y sont heureuses, d'autres ne le sont pas. Certaines sont célibataires et en recherche, d'autres sont célibataires et très bien comme ça. Enfin, voilà. Donc chacun a déjà sa problématique de base. Donc moi, je prends ce que le tarot me donne, ce que je ressens, ce que les guides m'envoient. Et donc à vous de prendre ce qui vous parle et puis de laisser de côté si ça ne répond pas, si ça ne résonne pas en vous, que ça ne répond pas à ce que vous vivez en ce moment. Alors, les Vierges, la carte d'oracle que j'ai sortie pour vous, pour cet été, c'est celle de la crise. Mais pour moi, c'est une guidance que j'ai ressentie vraiment plutôt pour les célibataires, d'accord? Parce que je ressens qu'il y a énormément de Vierges, ascendant Vierge, Vénus en Vierge ou Lune en Vierge, qui sont un peu sur le carreau depuis pas mal de temps. Il y a une sorte de désert sentimental. Et il faut que ça avance, mais pardon, ça ne peut avancer que par une remise en question. Et les remises en question, souvent, ce sont des crises. Voilà, ce sont des crises parce qu'il faut changer complètement le logiciel de transformation. Alors, c'est confirmé puisque avec la roue de fortune, on est sur du 10. Donc, il va falloir, il y a une période qui s'achève. Il y a un nouveau cycle qui se met en route, mais la roue est une énergie instable. Instable, c'est-à-dire qu'elle va dépendre du sens que vous lui donnerez. Elle va pas rouler toute seule comme ça, sinon elle va partir en zigzag. Il faut la manœuvrer, il faut la piloter. Donc il y a, c'est ce que je disais, un changement de disque dur, un changement de mode de fonctionnement à mettre en place avec ce petit valet de deniers. Donc les deniers représentent les graines qu'on a en nous, ils représentent l'héritage, à savoir ce qui nous a été insufflé quand on était plus jeune et puis on a continué à fonctionner avec. Et là, avec ce valet de deniers, il faut revoir les bases. Il faut revoir les bases parce que pour beaucoup de vierges, il y a une problématique qui est lié au 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la capacité justement d'être très joyeux, de se faire des amis, d'avoir une spontanéité sentimentale, une spontanéité dans les liens aux autres, de s'ouvrir facilement, ok. Et là, on voit qu'avec la papesse, pour moi, la papesse, elle représente bien le signe de la Vierge, qui est très raisonnable, qui est très structuré, qui est assez pointilleux. Et la papesse, c'est ça, vous voyez, elle n'est pas dans l'ouverture émotionnelle du tout. Elle est déjà couverte de la tête aux pieds. Elle observe, elle attend, elle est sur la réserve. Donc c'est quelqu'un à qui on n'a pas envie d'aller taper dans le dos. Mais sans aller jusque-là, elle manque d'une spontanéité qui lui permet justement d'aller vers les autres, d'attirer les autres et de pouvoir élargir son champ émotionnel. Et ce qui pêche justement, et c'est pour ça qu'on a l'énergie de crise, en position d'obstacle, on a les amoureux, on a l'amoureux mais qui est inversé, donc qui montre vraiment qu'il y a un problème avec ça. L'amoureux, normalement, quand on prend son énergie plein pot, c'est une personnalité qui est extrêmement charmeuse, extrêmement sociable, qui est légère, qui flirte, mais dans le bon sens du terme, vous voyez, qui papillonne, mais dans le bon sens du terme, à savoir qui attire les autres, et donc c'est facile pour lui de nouer des contacts et a fortiori d'avoir une relation. Mais là, c'est complètement mis de côté, puisque c'est en position d'obstacle, parce que c'est peut-être en bas. Et on voit que ça dure depuis longtemps, puisqu'on a le 9 de denier. Donc on est sur un vieux mode de fonctionnement qui, pour certaines vierges, a été inculqué avec l'éducation, une éducation stricte, une éducation puritaine. Voilà, ça peut faire beaucoup de dégâts à ce niveau-là. Alors, l'évolution qui est souhaitée, ben, c'est celle du rééquilibrage, puisqu'on a la justice en énergie sous-jacente. Et la justice, justement, elle demande de trancher, c'est-à-dire de laisser ce qui ne va plus et surtout de rééquilibrer. Pourquoi ?
C'est parce que pour beaucoup de vierges, il y avait une attitude d'attente, voilà, une attitude de soumission en attendant que ça change, un manque de confiance en soi, un gros manque de confiance en ça, ce qui donnait à certaines de la vulnérabilité. Donc on n'est pas en position de force, de sérénité et de sécurité pour démarrer une relation. Donc, vous voyez, il y a plein de choses à lâcher. Et ce qui est demandé, ce qui est conseillé par le tarot, après chacun fait comme il veut et comme il peut, ben c'est le chariot. Le chariot, vous voyez, il prend sa vie en main, il est complètement indépendant et il fait cavalier seul. Et vous voyez, derrière le chariot, il y a la roue qu'on avait déjà vue. Donc il s'agit vraiment de démarrer un nouveau chemin de vie, hein, puisque le chariot, il se déplace, un nouveau chemin de vie. Et ce chariot, il est avec l'as de coupe, mais inversé. Donc il va falloir le redresser, cet as de coupe. Avoir confiance en soi, avoir confiance dans la personne qu'on est. Nous sommes de belles personnes, hein, et donc il faut en avoir conscience, et ce chariot justement permet de prendre les choses en main. Je vous ai dit, il faut agir. La roue, il va falloir la manœuvrer. Le chariot, c'est lui qui est aux commandes. C'est lui qui est aux commandes, sinon ça part dans tous les sens. Donc, il y a vraiment une remise en question. Comment est-ce que je fonctionne jusqu'à présent? Comment est-ce que je me perçois? Quelle valeur je m'accorde? Et c'est à chacun de changer la donne. Les choses ne viendront pas comme ça. Ou alors, si elles viennent, ça ne va pas être génial. Parce que quand on est en position de vulnérabilité et quand on a, trop d'attentes vis-à-vis de quelque chose, qu'on est très rigide, très 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 rigoureux, eh bien soit il n'y a personne qui vient, soit c'est la porte ouverte aux prédateurs émotionnels de toutes sortes. Alors on voit que ça fait un moment que pas mal de vierges justement commencent à réfléchir sur le problème avec l'ermite, hein, qui est l'énergie de bilan, l'énergie de clôture, qui permet d'activer la roue de fortune, hein, une fois qu'on a bien compris et conscientisé le processus. Mais l'ermite montre aussi que pour pas mal de vierges, il y avait trop de solitude, trop de mise à l'écart, et puis surtout, ça a duré longtemps parce qu'il y a eu une difficulté avec le 5 d'épée inversé, une difficulté à se remettre en cause, à se remettre en question. Donc beaucoup sont restés figés un peu sur leur quant à soi, puis ça y est, maintenant ça commence à bouger. Et j'ai un deuxième chariot dans l'évolution, avec cette fois un as de denier. L'as de denier qu'on retrouvait dans le petit page, il faut vraiment planter une nouvelle graine en soi. Voilà, il faut changer la matrice, il faut changer le logiciel, le disque dur. Et c'est ce qui est demandé, hein. Quand je parlais de crise, on n'est pas surpris de retrouver l'arcane sans nom. L'arcane sans nom avec le 9 de bâton inversé, le 9 de bâton représente l'accumulation de tout ce qui nous a façonné jusqu'à maintenant. On est sur du 9, hein, également, donc le 9, on laisse aller, on est arrivé au bout. Les bâtons représentent le bois dont on construit notre maison, notre travail, bref, toute notre structure de vie. Et là, c'est toute une structure de vie qu'il est demandé à certaines vierges de laisser tomber parce que ça dysfonctionne et ça ne leur permet pas d'arriver à la construction justement affective qu'elles souhaiteraient. Alors, énergie de crise. Qui dit énergie de crise dit patatras avec la maison de Dieu. Mais c'est important. N'ayez pas peur de cette carte. D'abord parce que la maison de Dieu, justement, elle passe à l'action après la prise de conscience. Vous voyez, ça sort par la tête. Je vous remontre la carte de la crise. Vous voyez, c'est par la tête que ça sort. Donc, le mental, la prise de conscience, et d'un seul coup, il faut que ça pète. Avec la maison de Dieu, la parole se libère, donc les réajustements peuvent être nécessaires, et c'est aussi, vous voyez, elle est avec des murs, donc les murs rejoignent ce neuf de bâton. Je vous ai dit que les bâtons, c'était le bois dont on construisait les maisons, vous voyez, voilà. L'arcane sans nom casse justement tous ces murs de bois, et la maison de Dieu, elle finit justement le travail avec une sacrée prise de conscience, et puis justement on sort de ce carcan, on sort de cet enfermement, hein, parce que franchement, regardez la papesse, elle est sacrément couverte. Donc on sort de cet enfermement
on va pouvoir enfin se libérer. Et avec le 2 de denier, tout à l'heure on avait un as de denier, avec le 2 de denier, on plante une deuxième graine, mais cette fois en visant l'harmonie. L'harmonie entre qui on est vraiment et ce qu'on fait, entre l'être et le faire. Voilà, c'est ça qui est très important. Ensuite, fin de l'été, on a le pendu, mais là, il faut prendre le pendu dans ce qu'il donne de meilleur. Après une période de crise comme celle-là, le pendu va donner la capacité justement de voir les choses différemment et de permettre une inversion des valeurs. D'ailleurs, vous voyez, les personnages, ils tombent tête en bas. Et en fait, le pendu, il est retenu. On pourrait dire qu'il est retenu miraculeusement pour ne pas se fracasser le crâne. Mais ça va lui permettre justement de revoir les choses différemment. Alors, ça peut... Alors, il est avec la reine de coupe. La reine de coupe, on est dans la maturité émotionnelle. La reine de coupe sait très bien ce qu'elle a vécu. Elle a guéri et... Elle se protège, mais elle se protège sans se barricader. C'est-à-dire qu'elle va utiliser ses sentiments avec discernement, avec intelligence, mais elle ne va pas du tout se barricader. Alors, ce tirage-là, il peut concerner donc les personnes célibataires qui étaient trop en retrait, enfin, qui avaient un mode de fonctionnement qui ne leur permettait pas d'attirer une relation. Donc là, ça va exploser. Ça peut aussi concerner les couples où l'un des partenaires, soit la Vierge, soit le partenaire de la Vierge, est justement trop effacé. Et donc, de toute façon, il y a un rééquilibrage qui est à prévoir, que l'on soit seul ou en couple. Il y a un rééquilibrage qui est à prévoir pour permettre de lâcher des vieux schémas et de vivre plus sereinement qui on est. Apprendre à s'aimer, à s'apprécier, à se faire confiance, sans le côté... naïf de l'étoile, sans la dureté de la justice, mais avec la bienveillance, avec l'intelligence et la mesure de la reine de coupe. Alors, ce qui vient ensuite, moi j'ai le pape. Le pape, c'est vraiment la carte de la protection, c'est la thérapie, c'est le guérisseur, c'est ce qui permet de concilier ceux qui auparavant ne l'étaient pas pour pouvoir passer à autre chose. Et là, j'ai la reine de bâton. Donc la reine de bâton, une deuxième reine, donc une énergie mature et une énergie d'action. Voilà, la reine de bâton, elle est tout sauf en retrait. Les bâtons, c'est une énergie de feu. Ok, donc là, ça amène à la Vierge le piment qui peut peut-être lui faire défaut parce que la reine de bâton, elle est bien dans son corps, elle est bien dans ses baskets, elle est bien dans sa tête, elle est bien dans sa sexualité. Et on a ce pape qui donne vraiment la possibilité de prendre ses responsabilités, et d'avoir une énergie active, mature et en même temps extrêmement vivante. Alors après, on a évolution hein, pour les... Alors ça, c'est plutôt... Ça peut être pour les deux, les couples ou les célibataires, parce que j'ai le cavalier de denier. Donc le symbole du cavalier de denier, on a eu beaucoup de deniers dans ce tirage. C'est qu'il y a une évolution dans qui on est au niveau du développement personnel. Et ça va notamment toucher la confiance qu'on peut avoir en soi, puisqu'on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée représente les peurs, et là il est question de les laisser tomber, puisque vous voyez, la jeune femme, elle se regarde dans la glace comme si elle se découvrait, elle se trouve belle. Donc on a des peurs qui disparaissent, on a une image de soi qui est restaurée, on a de manière plus générale, il y a des schémas mentaux qui s'en vont. Donc il y a une grande évolution pour les vierges au niveau du développement personnel, et ça passe notamment par l'estime de soi. Après, c'est un peu plus compliqué. Alors ça, c'est peut-être pour les personnes qui font des rencontres. Là, on a le 3 de denier, et là, ça sent quand même... Il y a quand même une tension avec ce 3 de denier dans ce jeu. Normalement, le 3 de denier, c'est la coopération, et là, on n'est pas vraiment en coopération. Et ensuite, on a encore des tensions avec le 5 de coupe, qui peut parler de contrariété au niveau affectif et émotionnel. Alors, ce qui peut se passer, c'est que pour certaines vierges qui sont déjà en couple, ce changement de paradigme, ce changement de disque dur peut perturber le fonctionnement du couple tel qu'il était,
parce que l'un des deux était habitué à voir son partenaire d'une certaine manière, et la prise d'indépendance du chariot, la prise de pouvoir du chariot, l'inversion des valeurs du pendu, ça risque de déstabiliser tout ça, voilà. Mais si c'est juste et bon pour vous, il faut persister. Et si c'est votre partenaire qui fait ça, demandez-vous justement si ce n'est pas juste et bon pour lui. Voilà. Je vous souhaite un très très bel été, les Vierges, plein de bonnes choses, et puis on va se retrouver très bientôt. Ciao.